passe. Donc, je n'avais plus, j'étais plus quelqu'un devant Cabrel, quoi. Un jour, je l'appelle et dit que Cabrel, je suis dans ce monde depuis. Cabrel, je suis dans ce monde depuis. Tu es en train de courir. Tu es jaloux. Il m'insultait comme les. En fait, je ne suis pas en train de dire que. Écoutez un peu le sens de ce que je veux parler. Parce que je vous dis quelque chose. Ça va aider beaucoup de personnes qui veulent courir dans le showbiz ou bien dans le monde. Et Cabrel, tu cours. Tu es venu me trouver dedans. Non, je t'ai dit que tu cours. Laisse ça. Je dis que moi, pas le temps de Dieu n'a pas encore. Je dis que moi, Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? Hein? On te dit qu'il faut, il faut, il faut, il faut. Dieu c'est qui? Je dis que Cabrel, tu cours. C'est comme ça que Cabrel et moi, les distances commencent à se créer. Mais malgré tout, Cabrel ne m'abandonne pas. Hein? Cabrel ne m'abandonne pas. Il dit quand même dans son cœur que non, ça c'est mon père. C'est grâce à lui que je suis même nominé en tant que humoriste. C'est grâce à lui que j'arrête les micros. Je suis sollicité dans les mariages. Il continue à m'appeler. Il continue à m'appeler et ce n'est plus pareil quand même. Ce n'est plus pareil. Alors directement, un matin, quand je ne venais plus, j'appelais, je n'acceptais même plus ses invitations. Tout. Un matin, Cabrel débarque. Parce qu'il était à Abraham, ça dit, moi, que tu es à Dakar. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça.